Aujourd'hui, avec seulement 1000 francs par mois, assurance comprise, et pour une durée de 40 petites années, la destination de vos rêves devient réelle. Bonjour. Faites-moi confiance. Ne résistez pas. Et appelez-moi au 36 66 6 fois. Zone du haut, premier mois, premier jour. Bonjour. 6h et 45 minutes. On a reçu la lettre ? Non. Comment ça s'est passé ? Super. J'ai vu le tarificateur, il est prêt à nous aider à nous faire tous les papiers. Il faut juste 50 000. Et en moins d'une semaine, il nous monte la société à court terme. Après, on se fait tous les marchés de la zone soleil et pendant 2 ans, le pouvoir central ne nous ponctionne rien. Belle planète, non ? Ben oui, mais on les prend où, les 50 000 ? Demain, je vais au comptoir du risque, je leur explique le projet, on leur fait un emprunt. Mais c'est sûr, ça va marcher. On vend de la marchandise à contre-saison à 10% de sa valeur réelle. Du maillot de bain l'été, du pull l'hiver, c'est génial, non ? Ben oui, non, mais d'accord, mais. J'ai 100 francs en poche, j'ai plus d'appart, t'as 20 000 de dettes, t'as un divorce en cours, ça fait bientôt un an qu'on n'a pas bossé. Et tu crois qu'on a toutes les garanties vis-à-vis du comptoir ? Offrez-vous le voyage. On se faire un bon loto. Mais ça nous coûte rien d'essayer. Ah bah ça c'est sûr, on sera pas plus pauvres. Attends, on n'est pas pauvres, on est fauchés, nuance. Faites-nous confiance. Encore toi, ça va, t'as eu des récompenses scolaires, mais moins. Même pour un cas, je suis pas sûr qu'on m'embaucherait. De toute façon, qui n'a rien n'a rien. Non, qui ne tente rien. Hein ? Ouais. Excusez-moi, vous n'auriez pas une cigarette ? Bizarre. Dès que je les entends, je me sens presque coupable. Ouais, c'est vrai. Hein? Moi aussi, ça m'a déjà fait. C'est fou, ça. Ouais. Tiens, en fait, ils cherchent un pro informaticien à la centrale JV cette nuit. Putain, mais c'est génial! Mais oui, moi j'y crois! J'y crois? Mais si, faut y croire. Zone du haut, premier mois, deuxième jour. Un café? Merci. Un café? On a reçu la lettre? Non. Alors, comment ça s'est passé ? Ça a fini au bagarre ? Non. On était 450 pour une place au black. Ça a fini en bagarre. J'ai reçu un coup là dans le dos. T'as mal ? Mais non ! Et de l'auto ? Mais c'est numéro sur 18, on se rembourse même pas. Les comptoirs du risque ? Non, ils m'aiment bien, ils seraient prêts à m'aider si je remboursais. Mais c'est con, ils m'ont bloqué mon compte. Et ta femme ? Elle déménage sur la zone soleil. Et ta fille, comment tu vas faire ? Comme tous les pères, pendant les vacances. Et ton père ? Bah, je le vois plus. Depuis que ma mère est morte, il se laisse complètement aller. Ben, il pisse partout. Arrête tes conneries, plaisante pas avec ça. Non, c'est pas ça. Les vieux, la prostate, ça arrive. Ah oui, oui, c'est vrai, oui. Oui. Quand même. On a reçu la lettre ? Non. On est combien ? Le loyer ! J'ai pas encore payé. Mais ça va aller, t'inquiète pas. Mais le loyer, c'est la première chose qu'on me demande pour un boulot. C'est toujours les mêmes questions. Vous n'avez pas l'adresse ? Non. Vous êtes un Saint-Antoine plat ? Oui. Alors c'est impossible. Tu te rends compte qu'en 8 mois, on m'a pas demandé une seule fois mon nom. Mais c'est pas normal, merde ! Calme-toi. Mais j'en ai rien à faire ! J'ai bien réfléchi. On va s'en faire du fric, et pour longtemps, crois-moi. Comment ? Zone du haut, premier mois, 21e jour. T'as pris ton café ? Ben non, je t'attendais. On a reçu la lettre ? Non. Il te reste de l'argent ? Ben non, j'ai tout filé au mec du bas pour acheter les plans de matériel. On s'en va, alors. Hein ? STNP matricule 13 200 000. Oui ? Vous êtes rayé des listes d'identité productive. Suivez-nous. J'ai bien déchiffré tous les plans que la taupe nous a vendus, c'est pas foutu de notre gueule. Attention. Oui, mais s'ils sont pas récents. Tu sais, je suis allé faire un tour dans le quartier hier, ça a pas mal changé. C'est pas très rassurant. Mais t'inquiète pas, un système de sécurité, ça change pas du jour au lendemain. Et nous, demain, à l'aube, fini la galère. Bah oui, mais le matériel et l'information, on les a quand ? Cette nuit, je fais l'échange. À 2h pile.
Salut, Chic Planète. T'as le matériel et les informations? T'es pressé? T'as pas été suivi? T'es sûr? Non. À toi, la taupe. Qu'est-ce que tu veux de plus? On t'a tout donné, j'ai plus rien. Un peu de place dans ta mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme vulgaire est celui qui n'a que des sentiments d'égoïsme, sans disposition bienveillante pour tous les autres hommes en général. Confucius, on a besoin de pas mal de choses en bas pour résister. Le directeur a dans son bureau un programmateur cylindrique autonome, relié avec le pouvoir central. Dès qu'il a reçu ses instructions, il doit transmettre le message suivant. Bonne réception, transaction acceptée. À ce moment-là, le pouvoir central sait qu'il n'y a pas eu de piratage. À toi de trouver le programmateur et transmettre le même message. Depuis 10 ans, le directeur a écrasé pas mal de monde pour obtenir ce poste. Merci. Le pouvoir vient d'annoncer une nouvelle diminution de l'augmentation de la hausse du chômage. Oh, c'était super. On est bon. On est bon. Tu crois que c'est nécessaire? Pas vraiment. Ça impressionne, c'est tout. Non, je sais pas ce que je voulais dire. Regarde. Système vidéo. Tu as 5 secondes pour le désarmer. Là, électrification du sol. Tu as 2 secondes dès que tu ouvres la porte. Sinon, c'est des pop-corns pour la place des couilles. Écoute. Là, le coffre, c'est du gâteau. Par contre, tu déboîtes cette petite puce-là. Et là, on neutralise toute la mini centrale. Écoute. On a 5 minutes. 5 bips, pas plus. Roger. Branche-toi. Je peux pas le faire. Mais de quoi? Je peux plus le faire. J'y arriverai pas. Tu déconnes? C'est malhonnête. Malhonnête? Demande à tous ceux qui nous regardent qui sont les malhonnêtes et tu verras. C'est notre survie, notre dignité qui sont en jeu. Et même s'ils nous forcent à penser à nos ventres en premier, on n'est pas les seuls concernés, merde! Ne résistez plus, faites-moi confiance et appelez-moi au 3666. Moi aussi j'ai envie de m'en sortir, j'ai peur. Et ce coup-là, je connais des millions de gens qui seraient prêts à l'accepter si je leur proposais. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est trop gros pour mais nous. Mais c'est ça qui est fort. Personne n'oserait y penser. Personne, tu comprends? Oui, mais évidemment, la Banque de France à côté, c'est une épicerie. L'endroit est trop calme. Ça pue le traquenard. Non, je le sens plus. Ah ouais? Et la merde dans laquelle on se trouve, tu la sens? 14 millions de chômeurs. Elle est où l'alternative? Alors écoute-moi bien. J'ai souvent déprimé dans ces rues, je connais bien le quartier. Même si on échoue, le pouvoir central va paniquer. Ça y est, on est rayé des listes. Bah, tu pleures? Non, non, je coule. Fais-moi confiance. Dans 10 minutes, on refait surface. Quoi qu'il arrive. D'accord? On peut plus faire confiance à personne. Même pas la météo. Directeur, c'est pas toi. Hein? Dépêche-toi. Touche à rien. Bouge pas. Va-t'en. Mon boîtier.
J'en ai deux. Ah, t'es connerie, c'est pas le moment. Il y a deux plus. Mais fais-les sauter. Viens là, à la pince. Allez, avance. Toi aussi. Allez, vite. Allez. Où est le programmateur? Plus fort, j'entends rien. Vous n'avez pas honte de vouloir voler vos semblables? Vous n'aurez rien. Vous l'emporterez pas au paradis. Ça tombe bien, il paraît qu'il y a personne là-haut. Allez, dis adieu à tes oies. Tes oies, hein? Non. On rira plus! Dis-moi! Je compte jusqu'à deux! Arrêtez! Je vais tout vous dire! Tais-toi! En réalité, moi, je sais rien du tout! Alors tu vas partir en premier! Tout le monde passe au mur! Jean-Louis à terre! Vite! Toi, s'il vous plaît! À terre, vite! Traître! Voilà! Ça y est! Transaction acceptée. Bon, si vous êtes à vos places, vous en parlez à personne, hein. Sous aucun prétexte. Je suis le bien directeur. Désolé, c'est terminé pour cette année. Il n'y a plus rien. Bonjour. Elle était pas bonne, ma petite idée? Ouais, c'est vrai. Tiens, deux places au soleil. On pouvait pas mieux tomber, non?